Hello les amis! Coucou à tous! Je vais quitter Pupus. Enfin! Oui, voilà, ça fait du bien de temps en temps. Il faut dire les premières choses. Voilà, je vais la quitter, je m'en vais direction le CCAS. Je dois aller me présenter pour, vous savez, tous les 3-6 mois, enfin, ça dépend des mairies, pour aller signer pour que je puisse garder une adresse fiscale. Vous allez me suivre sur ce périple, mon Dieu. Et sois sage, hein, surtout. Oui, voilà, je vais retrouver la secrétaire. Ah, oh, quel bonheur. Bon, allez, sauve-toi vite, allez, elle t'attend, dépêche-toi. Sur la commune d'Isil où on habitait avant, voilà. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis les pieds, enfin que j'ai pas mis les pieds. Et là, je vais me rendre à la mairie, au CCAS, de façon à signer. Parce que, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ça dépend des mairies. Alors, les mairies, c'est tous les 3 mois, d'autres tous les 6 mois. Il y en a, c'est une fois par an. Il faut se rendre à sa mairie, signer pour pouvoir garder cette adresse fiscale. Qui a. Surtout en ce moment, qui va servir énormément pour pouvoir se déplacer. Donc, on est parti, on va aller voir le CCAS. On se retrouve après. Ça y est, je suis allé à la mairie. Eh bien, je n'ai même pas pu rentrer dans la mairie pour aller signer au CCAS. C'est que sur rendez-vous. Bon, je leur ai expliqué que moi, je n'étais pas ici, que j'étais venu spécialement pour venir... la signature, comme on dit, pour le contrôle, comme on dit. Et ce qui fait qu'ils ont... Je suis pas rentré, mais ils m'ont dit que c'est bon. Comme quoi, ils ont noté que j'étais passé. Parce que là, on, comme vous savez, on repart jeudi. Et on reviendra qu'au mois d'août, là aussi, pour des obligations médicales pour Pascal. Pour des contrôles, donc, pour l'instant. Et par contre, ce qui s'est passé, ils m'ont offert un masque offert par la commune. Ben, moi je récupère un masque, ça va être un masque je suppose en tissu. Donc on va pouvoir l'utiliser comme ça au lieu d'avoir des masques à jeter constamment là. À force c'est difficile même d'en trouver. Alors c'est bon, enfin bon maintenant on va essayer d'aller à la banque. Suivez-moi sur ce périple. Ça y est les amis, je suis rentré, effectivement, je suis allé à la banque après. Bon, c'était un peu, là on peut rentrer dans la banque, bon il faut attendre un peu dehors, c'est deux par deux, mais ça s'est bien passé. Je vais retourner voir Pascal. Ça y est, j'ai retrouvé. J'ai plein d'eau. Voilà, ouais, elle a secoué le sac qui était un mouillé. Un sac plein d'eau, je suis trop. Alors évidemment, ça l'a mouillé. Et voilà, eh ben oui. Un sacré pupus. Ouais. Mais bon, ça va, il fait pas froid. Mon Dieu, cette pupus. Il fait un super soleil. Donc voilà, ben, j'ai fini, il est presque midi, donc ça va être l'heure de manger. Voilà, il pense qu'à ça. D'ailleurs, je suis arrivé avant midi pour manger. Oui, ça c'est sûr. Après, ça aurait été un peu tard, il ne faut quand même pas déconner. Quoi. Donc oui, là, n'oubliez pas, mercredi 18h30, en live spécial. Électricité. Mmh. Hein, là, vous aurez toutes les infos, n'oubliez pas ça. Par un spécialiste. Complètement. Donc 18h30 mercredi. Ouais. Aujourd'hui, eh bien, on va partir cet après-midi faire une balade et on va faire quelques images. Oui. Hein, que pour avoir un peu d'images de paysage ici. Oui, là, oui, 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 des images à partager. Complètement. Ouais. Et puis, t'as quelque chose à leur dire? Eh bien, faites bien attention à vous, toujours. Hein. Et puis, ceux qui peuvent profiter de cette super belle journée. Et puis... on vous dit à demain, 18h30. Hey, bye bye les amis. Bisous, bisous. À bientôt. Bisous à tous. Ciao, ciao.